Eh bien, salut à tous, c'est Passion Cinéma. Alors, on se retrouve aujourd'hui, voilà, pour une vidéo avis sur le film Soul de Disney Pixar. Donc, j'ai visionné ce film. J'ai du mal à le dire, le mot qui va sortir. J'ai du mal. Mais il est merveilleux, c'est une pépite, franchement, ce film. Certains me diront, ouais, tu l'as acheté en DVD, il faut prendre du Blu-ray. C'est un film d'animation. Honnêtement, vous n'aurez pas une grosse différence entre une version Blu-ray et une version DVD. La version 4K, c'était juste honnêtement pour avoir le steelbook, mais j'ai préféré le DVD. Pourquoi, à votre avis, il faut un combo 4K Blu-ray? Parce qu'il y a des 4K qui déjà sont en 2K, qui ne sont pas des vrais 4K. On a même des 4K qui sont identiques au Blu-ray. Donc, bon, bref. Donc, Soult, vous voyez, c'est une merveille. Donc, je vous laisse lire derrière. Donc ce film a dégagé pas mal de choses en moi, y compris la fin. La fin, il y a une phrase, alors attention, il va y avoir un petit peu de spoil, juste quelques minutes. Quand cette chose-là là, dit au personnage, que comptes-tu faire de ta vie? Et qu'on a notre personnage qui répond, je ne sais pas encore, mais je veux en profiter, enfin vivre, ou je sais plus trop comment il dit. C'est tout à fait mon mode de vie. Il faut profiter de la vie, de chaque minute, chaque instant et chaque moment dans sa vie. Voilà. Mais même ce film, il se remet en question et moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé aussi par le passé de me remettre en question sur beaucoup de choses. Non, ce film est vraiment, vraiment superbe. Alors, à l'intérieur, je ne m'attarde pas trop à l'intérieur. Voilà, donc classique. Donc, voilà. Donc, je l'avais eu dans une offre Fnac. Donc, c'est un classique Disney, numéroté évidemment de 126, pardon, numéro 126. Donc vraiment un très très beau dessin animé. Il est bien plus joli que là-haut, par contre. Il est coloré, je veux dire. Les petits bonhommes, là, c'est des couleurs qu'on ne voit pas souvent. On va voir sur Terre, on va voir entre les deux mondes, on va le voir avant. Donc c'est plutôt cool. Plus joli qu'Arlo aussi, ça c'est clair. Et j'ai du mal à le dire, mais pour moi, il est, en termes esthétiques, il est au niveau de Voyage vers la Lune. Voilà, Voyage vers la Lune qui est un dessin animé d'animation exclu de Netflix, même s'il faudrait que je me le remette encore une fois pour le comparer. Mais voilà, mais vraiment un très très bon. Pour une fois, je m'inquiète pas, mais pour une fois que eux là, eux font du bon travail et qu'ils arrivent à me satisfaire. Donc voilà, vraiment un beau petit dessin animé que j'aurai plaisir à revoir dans quelques temps. Donc voilà. Franchement, un film comme ça, je dis oui Disney. Merci. Sur ce, je vous dis à plus.